Bienvenue sur Hôte Éternel. Il est 13h13, en ce 16-16, et il fait la température extérieure est de 29 degrés. Le facteur est passé. Cherche une cagette, c'est pour voter. Aujourd'hui, on va se le faire en binôme. On va voir qu'est-ce qui reste, mais ça y est, je sais déjà ce que je vais voter, c'était éternel. Qu'allez-vous voter, monsieur, c'est éternel? Urgent élection, ouais. Moi, je vais voter Sticule. Va voter Sticule. Ça aura l'air moins con. Oui, monsieur Téternel, que voulez-vous faire pour vos 48 ans? Parce que là, on est à 14 jours, justement, du 4-1, des 48. Oh, bah moi, j'aimerais bien ne plus fumer des mégots par terre. De la vie à la survie. Dis donc, c'est un peu léger, quoi. J'aimerais bien, quand même, que pour mes 48 ans, je sois chef de ta dame. Ah bon? Tu vas voter Sticule? Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Ça fait 8 ans que j'attends des sacs de la poste de courrier de gens qui veulent être rédemptés. Ah bon? Mais pourquoi tu dis ça? Parce que pour mes 48 ans, je vais être rédempteur. Première fois, on avait tout à 33, soi-disant. 48 années-lumière, ça s'arrose, quoi. Je l'utilise. Non, le 16-8-6. Et le 28-6, je suis né. Enfin, je vais résurrectionner encore. Tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux leur dire, alors? Faut sortir de ce mensonge collectif. L'objectif. Tu vois, toutes les vérités sont bonnes à dire, absolument toutes, et maintenant il faut les dire. C'est le moment de la rédemption. Ça s'appelle le jugement premier, que ça s'appelle. Tu vois, pourquoi tu veux qu'il y ait un jugement dernier s'il n'y a pas un jugement premier? Faut arrêter d'être con aussi. Donc, psychologue à tout le monde. Tout le monde, j'ai bien envie de dire, ben pour être alcoologue, il fallait être alcoolique pour comprendre la science de l'éther et tout ça. Sauf que vous ne voulez pas comprendre. Si tout le monde buvait un bon coup et fumait un bon joint, il y aurait la paix sur Terre. Hein, pas de pharmacie, pas. Juste pour vendre des produits à poufiasse. Tu vois le truc? À la Guy Béard ou quoi? Le premier qui dit la vérité, il doit être glorifié. Tu vois? Donc ça va chier, ça va chier. Bon, bien sûr, je vais voter l'éternel.